paisible, si serein. C'est comme si rien de mal ne pouvait nous arriver et que... Vous croyez qu'on peut m'avoir aussi facilement? Je vais vous faire changer d'avis, moi. Je vous connais tous les trucs. Oh, Rarity, Blinky, à l'aide, quelque chose d'horrible est arrivé. Qui a fait quoi? Où sont-ils? Ils vont le regretter. C'est trop affreux pour le dire. Oh, l'un des poneys les plus distingués de Poneyville, Fancy Pants, m'a demandé de me joindre à lui pour une promenade dans le parc. Et ça te déplaît parce que tu ne peux pas y aller? Pire, j'ai très envie d'y aller. Oh, alors ça, oui, c'est affreux. Mais pourquoi c'est affreux? Pourquoi? Elle demande pourquoi. Voilà pourquoi. Hier, j'exhibais tranquillement mon nouveau bandeau. Tout en mettant la touche finale à mon cher jardin. Lorsque tout à coup... Oh, mon miroir! Fancy Pants! Oh, comment peut-on se briser quand on a la chance de refléter un visage tel que... Oh. Oh, je ne vous avais pas vu. J'étais en train de déguster tranquillement une potion que mon ami Pinkie Pie m'a donnée. Vous en voulez une gorgée? Non. À vrai dire, j'en serais ravi. Oh! Aimeriez-vous vous joindre à moi pour une promenade dans le parc demain? Non! J'en serais ravie! Ah! Dans ce cas, je vous dis à demain soir. Eh bien, on dirait que votre charmante maladresse s'est transformée en... malédiction! Malédiction? Oui, vous savez ce qu'on dit. Les désastres arrivent toujours par trois. J'espère que notre promenade ne sera pas votre catastrophe numéro 3, hein? Oui, c'est affreusement comique. Et vraiment horrible. Courage, Rarity. Une catastrophe vient de se produire. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si une seconde catastrophe se produit, il faudra vraiment que je... D'accord. Mon bandeau s'est retrouvé couvert de ta potion, Pinkie Pie. Maintenant, il ne cessera de me révéler des vérités ténébreuses. Wow. Pinkie Pie, vous ne serez ou pas avec des vermicelles? Ah, c'était horrible! Bon, maintenant tu comprends pourquoi la catastrophe numéro 3 doit absolument avoir lieu avant mon rendez-vous avec Fancy Pants. Attends, quoi? Si elle se produit avant le rendez-vous, elle ne se produira pas pendant le rendez-vous. Cette logique me semble un tout petit peu extrême. Oh, la voilà! La porte est cassée. Oh, que c'est mignon! Hein? Tu parles avec douceur et pourtant tu portes en toi une force particulièrement redoutable et terrifiante. Alors, c'était affreux? Non, je savais tout ça depuis longtemps. Nous allons ranger ça dans la réserve, d'accord? Vas-y, je t'en prie. Non, toi! Pitié, pas de dispute! Qu'y a-t-il? Votre amitié est anéantie à jamais? À cause d'un malentendu parfaitement stupide? Je n'aurais jamais imaginé que cette horreur se produirait! Mais voilà, on n'y peut rien. Rarity, il n'y a pas de dispute entre nous. Qu'est-ce qui te hérisse la fainéante, Rarity? Les catastrophes arrivent par trois! Et chérie, j'attends la troisième. Tu ne crois pas que tout ça, c'est de la superstition? Il n'y a aucune logique là-dedans et... D'accord, elle s'en va tête basse. Ça suffit! Il est temps de prendre des mesures extrêmes. Le sabotage! Tu m'impressionnes une fois de plus, Rarity. Ton cran n'a d'égal que la douceur de ta crinière. Waouh, que c'est gentil, merci. Aïe! Du soufflet au monarque de la gelée royale est connu pour sa difficulté. Mais avec cette recette, je devrais pouvoir m'en sortir. Bien joué. Hein? Il faut que cette catastrophe se produise.
Si la recette de Pinkie Pie devait soudain disparaître, ce sera une catastrophe. Oh, mais je ne peux pas prendre la recette de Pinkie. Elle en a besoin pour son concours. Pas avant le week-end prochain. Tu pourras toujours la lui rapporter d'ici là. Et je parie qu'elle ne s'apercevra de rien. De plus, tu pourras t'excuser auprès d'elle plus tard. D'accord, tu n'as pas tout à fait tort. Ça a été plus facile que je n'y attendais. Ah, alors toi, tu prétends m'en empêcher? Allez, arrête-moi si tu l'oses. Numéro 3 n'aura pas lieu au parc. Vraiment? Alors ça en valait la peine. Parce qu'elle a déjà eu lieu. Tu es coincée ici avec moi. Les catastrophes n'arrivent pas par 3. Mais tu as scellé ton propre destin en te concentrant sur le négatif au lieu de savourer l'instant. D'accord, compris, madame, je sais tout. Mais étant donné que j'ai appris la leçon, je peux tout de même aller au parc. Non. Même si pour toi quelques secondes seulement se sont écoulées, le monde extérieur a vieilli de plusieurs millénaires. Attends, 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 attends. D'accord, je t'ai menti, mais j'avais une bonne raison. Ici, je suis seule, personne ne t'a accompagné. Oh. Où est mon téléphone? Oh, Applejack, Twilight, et même notre jeune Pinkie, vous êtes toutes là. Combien de temps suis-je partie? Une semaine, un siècle? Oh, quelle pouliche stupide j'ai été. J'imagine que Fancy Pan s'est allé se promener au parc avec un autre poney. Bien, il mérite d'être très heureux. Rarity, t'as été absente que 35 secondes. Oh, Rarity, notre promenade au trot-trot. Au trot-trot? Tu vois? Il est là. Mais la catastrophe numéro 3. On ne peut pas tout contrôler. Savoure l'instant et tu verras. Je suis sûre que ce n'est que de la superstition. On ne peut jamais être complètement sûr de rien. Oui, absolument. Tu as déjà traversé des catastrophes. Alors, quoi qu'il arrive, tu peux l'affronter. Vous avez raison. Je me suis déjà préparée au pire. Pourquoi ne pas m'attendre au meilleur? Quel ravissant coucher de soleil. Il me rappelle... Non, j'ai déjà vu mieux. Pour changer de sujet... Bien, passons à un autre sujet intéressant, moi. Tout ce matin, j'ai dit une chose très intelligente, puis j'ai fait une plaisanterie très drôle qui m'a fait rire et rire jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Et c'est là que j'ai réalisé que le poney le plus talentueux que j'ai jamais rencontré, c'était moi. Waouh ! J'étais tellement nerveuse à l'idée de faire cette promenade que je n'ai même pas réalisé que je ne vous aime pas du tout. Je vous demande pardon. La troisième catastrophe, c'est vous? Non, 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 c'est impossible. Je n'occupe jamais la troisième place. Oui, comme je le disais... Tout ne se résout pas avec des vermicelles. N'importe quoi. Pour être honnête, le moment le plus agréable de cette histoire a été cet instant de panique totale. Parce que je l'ai vécu avec vous. Je suis heureuse que tu aies pu savourer l'instant, décider que tu ne t'amusais pas et partir crinière au vent vers de nouvelles aventures. Et moi, je suis heureuse de ne pas avoir volé ta recette de soufflé, compromettant ainsi ta compétition et même notre amitié. Quoi? Non, rien. Je t'adore. Oh.